ici aux États-Unis, on parlait de culte libre, religion libre, tout le monde qui a adoré, c'est pas lieu l'autre monde. Mais avant, il n'y a pas comme ça, chers amis. Moun yo pas libre pour te professer leur foi en Jésus. Yo te souffrir. Je dis à tout grand goût, y'a vous qui abandonné parce qu'on perd du travail, oubliez ça, mon Dieu fait dans vie. Parce qu'il y a un monde qui a un bagaille, qui n'a pas connu sous tête ou abandonné tant là. Oh, mes chers amis, l'évangile a repris. Il n'a pas comprendre. Marcher avec Dieu, c'est un privilège. Et pas jamais décourager sous là et maintenant. Malgré les temps difficiles, m'arrêter à Jésus. La paix avec vous. M'arrêter à Jésus. C'est pour nous ça pour moi, la paix. M'arrêter à Jésus. Jésus dira mon Dieu béni, m'arrêter à Jésus. La paix à Dieu. M'arrêter à Jésus. La paix à Dieu. M'arrêter à Jésus. Même les situations difficiles, même les maris n'ont pas d'accord, m'arrêter à Jésus. Même les maris sont mis, m'arrêter à Jésus. Même les bagues personnes et maintenant, m'arrêter à Jésus. Même les bagues travail, m'arrêter à Jésus. Même les cas la bac à payer, m'arrêter à Jésus. Alléluia. Oh, yeah. M'arrêter à Jésus. Jésus miracle, matin. Nous allons comprendre, nous qui sommes ici, nous sommes bénis. Car nous avons le privilège de partager notre foi en Jésus-Christ. La paix avec vous. Nous sommes bénis. La paix avec vous. Nous sommes bénis. La paix avec vous. Nous sommes bénis. Car Christ, Jésus, est dans la vie. Amen. Il te dit, m'a bâti l'église, moi. Satan va gagner pouvoir sous lui. Satan, Lucifer, ange de lumière, il t'a expérimenté déjà la présence de Dieu. Il consacre la caille, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle la fait tout ça dépend de lui pour empêcher de vivre dans le ciel là. Il mettait grand goût sous route là. Il mettait découragement sous route là. Il met tentation sous route là, la même mon Dieu avec vous. Et en une fois, tout le monde met des mains. Mais là, tout est mal. Ou bien les gens nous font bien. C'est mon sacré quand ils vont mourir. C'est Satan même qui entre en dol pour décourager. Et maintenant, dis malgré tout, ma maman, avancez. La paix avec vous. Malgré tout, ma maman, avancez. L'évangile a repris. À payer. Dans l'époque deuxième siècle, l'église là, eh bien, les pères de l'église, ils ont traversé des moments difficiles. Et au Moyen-Âge, ils ont traversé encore des mois plus difficiles. Et dans l'époque ça, en 313, il y a un grand empereur qui s'appelait Constantin. Et Constantin, il a une vision pour te gouverner. L'Empire dans son ensemble. Mais pendant le dormi, il te voit aussi dans le ciel là d'après ça a été déclaré. Et on signe de croix et sur cette croix qui est écrit par ce signe, tu vaincras. Et concentré à la bataille, et puis effectivement, il y a une bataille là. Et après, il finit. Il y a une bataille là, mes chers amis. Il déclarait pour suspendre persécuter l'église et de un mariage entre l'église avec l'État. Et Constantin comme chef de l'Empire romain, il dit désormais pour mon travail dans l'Empire là, faut ou faire de un chrétien. Et Empire romain, juif, sans avoir être de nouveau, sans être converti, ils ont entré dans l'église là. C'est ça que fait dans l'époque ça, tu as un paquet de bagages qui t'a envahi l'église. Tant que la mariolatrie, vénération et adoration de Marie,
Merci pour mort. La paix avec vous. Ça a les pénitences. Marcher à genoux pour joindre la justification. Faut aller devant le prêtre pour aller mettre à genoux pour confesser péché. C'est dans l'époque ça, dans l'année 313 à 800, et bien toute barrière envahit l'église. La paix ensemble avec vous. Maintenant, 800 pour 1500, tu as commencé ton examen de l'église, évaluation. Il y a un retour à la parole de Dieu. Et c'est pendant l'examen ça, et vous, messieurs, qui étaient Martin Luther, il y a un prêtre catholique, un allemand, il t'a étudié la Bible, il t'est tombé dans Romains 1er, le verset 17. Où tes paroles l'ont dit, le juste vivra par la foi. La paix avec vous. Le juste vivra par la foi. L'évangile des trois grands éléments. Rapidement, ces éléments d'abord, c'est la Bible, le premier. Martin est sorti avec conclusion ça. Sola scriptura. La Bible seule. La paix avec vous. Dis-moi non, la Bible seule. Ce n'est pas vision, pasteur Bouchette, qui doit mener Jésus miracle. Ce n'est pas ça, penser, ça, le ça, d'accord. Mais ça, la Bible, on sait enseigner la paix avec vous. Ça, la Bible, on sait enseigner la base de l'évangile, Jida, en là, la Bible. Ce n'est pas ça, c'est apprendre dans le séminaire. Connaissance que vous avez, mais l'église, elle doit conduire, diriger par la Bible, la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, le verset 16, la Bible dit dans toute écriture. Est inspiré de Dieu et utile, alléluia, pour instruire, pour enseigner, alléluia, gloire, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon bonheur. On nous dit vive la Bible. 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 Là, nous disons dans le bouchon, mais nous voulons en non comprendre, on fait zonner à la Bible. Mettez temps pour nous capables d'étudier les Écritures. Pour nous sonder la parole de Dieu et maintenant. Car l'évangile pour servir mon Dieu bien. Faut qu'on parole. Si tout aujourd'hui il y a un pile faux docteur. À travers les rues. On qui a enseigné des bagailles. Qui parle en nom de la Bible et maintenant. Faut nous venir dans l'étude biblique pour nous connaître la parole. Nous. Pour n'importe qui monde. Pas enseigner nous. Yo raconte m la kayno en Haïti, bon courant pour les armées célestes. Et parmi ce courant, il y a un prophète. Et prophète ça, il t'a enseigné des doctrines diaboliques. Et des grands équipes monde qui a marché après elle, sans avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mes chers amis, m'encouragez. Nous connaissons traversé un pile problème. Je dis à ici aux États-Unis, il y a une pénurie, pas de pile travail, pas de l'argent, bagaille obscure. Tout le monde a couru derrière des choses matérielles, pas de temps pour les études. Mais vous devez comprendre, si vous avez besoin de chercher, alléluia, et maintenant, chercher des connaissances paroles, bon, pour Dieu. Lorsque vous connaissances paroles là, ou apprenez comment pour prier. Lorsque vous connaissance parole là, ou apprenez comment pour servir mon Dieu. Lorsque vous connaissance parole là, ou apprenez comment traiter. Faire avec ceux qui vont côté aimer. Alléluia, gloire. Lorsque vous connaissance parole, ou apprenez comment traiter même pasteur. En dans l'église. Vous n'avez pas besoin de vous forcer. Mais en dans. Connaissance parole là. Il fait de vous une femme sage. Une femme respectueuse. Une femme honnête, une femme sérieuse, dans la relation entre madame et mari, dans le travail, dans l'école, et bien n'importe où. Même le papier, maman, quand tu fais éducation, mais parole, les former, les préparer. Jésus, miracle, on nous dit vive parole, on instruit la parole, et alléluia, amen. C'est un élément fondamental. Nous avons fait un bon cri. Bon chrétien. Pas vite parler de science. Pas vite dire l'école.
pour te fréquenter. M'pas dit pas de valeur, mais l'évangile, il s'en prie. La paix à Dieu. L'évangile, il s'en prie. Pour Dieu d'accord pour nous danser devant pour nous adorer. Il aime ça, amen. Mais là, danser sans connaissance de mon Dieu, danser sans valeur. Je dis à tout le monde, remets danser, remets voler, mais sans connaissance, parole, mon Dieu. Et puis, on traînait dans ma propriété, dans ma bagage sale. Depuis, mon Dieu, c'est prophète. Son passant des écritures, là, obéi. Le prophète l'a dit à droite, il dit à gauche, mais est-ce que à gauche ça, le mettre dans la balance Bible là, est-ce que le pèse? Yeah, yeah. Yes. Et ça. Mes chers amis, nous avons campé avec parti ça pour nous terminer le non-fini. Et nous songer. Il y a trois grands éléments de l'évangile. Tout d'abord la Bible. Deuxième élément, c'est la foi seule. Éphésiens 2, le verset 2 là dit non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La paix avec vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tout ça que l'homme a fait devant Dieu, sans la présence du Saint-Esprit au sang à l'heure, parce que l'homme est paix, péché. Ce qu'a adoré, c'est grâce. Ce qu'a chanté, c'est grâce. Ce qu'a enseigné, c'est grâce. Et maintenant, si on est élu pour le ciel, c'est grâce. Je dis à un mauvais enseignement dehors. Mais nous ne sommes sauvés pas par grâce. Amen. La foi en Jésus-Christ. La Bible seule. La foi seule. La grâce seule. Si vous voulez faire un bon serviteur de Dieu, vous voulez faire un bon servant de Dieu, vous avez besoin de ces trois éléments. La Bible, la grâce, la foi. La paix avec nous ensemble. La Bible, la grâce, la foi. En deuxième fois, la Bible, la grâce, la foi. En troisième fois, la Bible, la grâce, la foi. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que votre béni au service de Dieu. On est un, nous avons deux. Inclus droit. Alléluia. Alléluia. Nous allons entrer dans une cérémonie de 10 minutes. Capable de faire patience. Et là, nous finissons, on va engager dans la photo. Tant de passer. Tant de couple à passer pour nous. Avant que vous déplacez. Bah, honneur à ça qui mérite honneur. Voyez les temps.